Oh non, on dirait que vous avez planté votre tente sur le repas des moutons. Non! Mais alors, où est-ce qu'on va planter notre tente à la fin? Ouf! Wawa a une idée! Ah, enfin, vous voilà confortablement installé dans votre tente. Oui, moi j'aime beaucoup le camping. Moi aussi! Mais je n'arriverai pas à dormir sans Sergent Boom. Ouf, ouf! Mon petit Boom! Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît, Wawa. Oups, j'ai renversé de l'eau. Oui, sur moi. J'ai besoin d'une serviette, Wawa. Oh, ouf! Oh, Rouli, tu t'es glissé dans mon duvet. C'est peut-être toi qui es dans le mien. Oh, ouf! C'est la serviette de Tac, celle-là, Wawa. Où est Zaza? Oh, ouf! Wawa, j'ai laissé Zaza dehors. Oh. Ouf! Ma Zaza. Wawa, je viens de me rendre compte que mon pyjama était mouillé. Ouf! Je peux avoir une autre couverture. Et des chaussettes. Je voudrais un autre verre d'eau. Désolée, je voulais dire un verre de lait. Je peux avoir ma lampe de poche et un livre pour s'endormir. Des pantoufles. Une veilleuse. Un oreiller. Un réveil. Un pyjama. Une patate. Enfin endormi. Zaza demande, est-ce que tu aimes camper, Sergent Boom? Oui, il faut être robuste pour vivre en pleine nature, Zaza. Enfin, tout le monde n'est pas endormi. Oh, vous avez entendu ce bruit? Non, quel bruit? Oh, celui-ci. Je n'aime pas du tout ça. Ne t'inquiète pas, Tag. Ce sont sûrement des fourmis qui mangent des chips. C'est un monstre, je vous dis. Mais non, c'est une souris qui déballe un cadeau. C'est un monstre. Non, c'est un bouc qui mange un bouquin. C'est un monstre. Non, c'est un... Aïe. Oh, wouf. On remonte à la surface. Oui, nous suivons le chemin. Elle est absorbée par les racines pour finir son chemin dans le tronc de l'arbre. Pourtant, l'arbre n'a pas l'air mouillé. Parce que l'eau reste à l'intérieur. Elle est protégée par l'écorce de l'arbre. C'est quoi l'écorce? C'est le bois dur qui l'habille. Habille? Comme une armure habille un chevalier? Oh, ouf! C'est quoi ces choses qui bougent? Des insectes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces insectes? Certains d'entre eux ramassent des feuilles tout en haut de l'arbre et il y en a même qui y habitent. Ils habitent tout en haut de l'arbre? Oui, comme de nombreux animaux. Cet oiseau, par exemple. Est-ce que ça te plaît de vivre dans cet arbre? Oui, c'est l'un des meilleurs du coin. Qu'est-ce qu'il fait sur la branche, cet écureuil? Il cueille son dîner. Les arbres nourrissent des tas d'animaux. Certains produisent des noix, d'autres des baies. Certains arbres ont des fruits et d'autres ont même des noix de coco. Waouh! Il y a tellement de feuilles! C'est une bonne chose, Betty. Parce qu'elles sont très importantes, les feuilles captent le soleil, ce qui aide à faire pousser l'arbre et à purifier l'air pour que nous puissions mieux respirer. Les feuilles servent de nourriture aux animaux. Et elles les abritent de la pluie. Ou du soleil. Les arbres servent de maison aux araignées, aux chauves-souris et à toutes sortes d'oiseaux qui peuvent rester habités dans le même arbre toute leur vie. Et chaque type d'arbre a un type de feuille qui lui est propre. Certains d'entre eux perdent toutes leurs feuilles en automne. Oh non! Mais il en pousse de nouvelles au printemps. Ouf!
Au début, ce sont de tout petits bourgeons. Et puis, ils grandissent et grandissent jusqu'à devenir de belles feuilles pleines de vie. Les feuilles, c'est incroyable! Absolument! Cet arbre est très grand! En effet, Tag, depuis le sommet, on peut voir au loin à des kilomètres. Oh! Oh, regarde, les petits loups se sont endormis! Wawa! Moi, je n'ai pas réussi à m'endormir. Eh bien, Wawa pourrait t'aider, Tag, parce qu'il a... Ah, ouf. Son badge sommeil. Oui. Il existe différents moyens de trouver le sommeil, Tag. Ah, ouf, ouf. Ouf, ouf. Regarde comment Minette se prépare à faire un petit somme. Non. Oh, c'est vrai. Ça y est, Wawa, je crois que le tour est joué. Ah, ouf. Je n'arrive toujours pas à m'endormir, Wawa. Il y a trop de lumière. Oh, pourtant de nombreux animaux dorment le jour, Tag. Ah, ouf, ouf. Car ce sont des animaux nocturnes. Oh. Le blaireau, par exemple. Il se creuse un terrier où il se réfugie pour dormir au calme dans l'obscurité. Je vais faire comme le blaireau. Et me terrer dans mon terrier. Toujours pas. Il fait beaucoup trop chaud là-dedans. Oui, dormir dans un terrier n'est pas fait pour tout le monde. Ouf, ouf, ouf. Très juste, Wawa. Certains animaux dorment en hauteur. Les chauves-souris, par exemple, elles dorment suspendues à l'envers. Je n'arrive pas à dormir. Oh, ce n'est pas grave, Tag. Il reste un tas d'autres moyens de trouver le sommeil. Oh, ouf, ouf. Et oui, certains animaux dorment debout. Je n'arrive pas à dormir. Les tortues, elles, dorment recroquevillées en rentrant leurs membres. Oh, je n'arrive pas à dormir. D'autres animaux aiment dormir en s'agrippant à quelque chose. Non, je n'arrive pas à dormir. Hmm. Ouf, ouf. Ah oui, il y a la loutre de mer. Oh, ouf, ouf. Bé. La 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 la. Une pomme, une banane, mon ami Tag, Minette. Attention! Mau. Il y a un monstre derrière toi! Mau. Il va te manger, attention! Ouf, ouf, ouf. Pas de panique, les petits loups, ce n'est que l'ombre de Minette. Ah bon? Son ombre? Tous les objets et tous les corps ont une ombre. Ouf! Quand ils interceptent la lumière. Waouh! On peut faire des choses incroyables avec les ombres. Wawa va vous montrer. Parce qu'il a son badge ombre. Ah, regardez. Il fait des ombres chinoises. Un oiseau! Bonjour, petit chien. Oh, trop mignon. Un canard. On peut essayer, nous, Wawa? Oh, ouf. Oh. Ah, tu as réparé la panne, Wawa. Oh. Oui. Bien, qui veut commencer? Moi. Un escargot, à mon tour. Un lapin. Cool, mon pote. Regarde, Wawa, un serpent. Ouf. Je suis élève. Ba-ba-ba. Pec-pec. Pec-pec. Je suis un magnifique cygne. Ouh. Ils sont jolis tes nuages, Youpi. Je n'ai rien fait. Oh, ce sont les moutons. Vous voulez faire des ombres chinoises, vous aussi? Hein?
Eh ben, on dirait que tout le monde a envie de faire des ombres chinoises. Oui. Creo que Doggy tiene una idea de cómo refrescarlos. ¡Una piscina inflable! Esa es una buena idea, Doggy. ¡Se rompió! ¡No! ¿Cómo inflaremos la piscina? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? ¡Hola, Ethel! ¿Sabes cómo inflarla, Ethel? ¡Guau! ¡Gracias, Ethel! ¡Ahora podremos nadar! ¡Sí! Oh, ¿dónde está el ¡Oh! Así es, ardillas. Necesitamos llenar la piscina con agua. ¿Eh? Oh. No hay agua. ¿De dónde sacaremos el agua? ¿Tú sabes dónde hay muchísima agua, Ethel? ¡Sí, Ethel! ¡Ah, el lago! ¡Qué lista eres, Ethel! ¿Ya acabaste, Ethel? ¡Uf, uf! Juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin! Oh! Wakalin!